17h en France, 11h ici dans le Nevada et c'est notre dernier rendez-vous en direct depuis le CES 2016. Merci d'être là. Bienvenue Jérôme, bonsoir, ou bonjour, on ne sait pas trop, bonsoir, à chaque bonjour, jour on bonsoir, se fait ça. Bonsoir à tous, dernier rendez-vous mais non des moindres. Ah oui. Vous le savez, toute la semaine on vous a fait vivre ce CES 2016, chaque jour à la même heure avec plein d'invités. Et aujourd'hui on termine en beauté avec des tas d'innovations incroyables avec ce spécial start-up. French start-up si je puis me permettre. Ah c'est vrai, tu as raison. Parce que là nous sommes évidemment dans un immense hall où il y a à peu près 200 start-up je crois françaises. Hein. Oui c'est ça, Il faut savoir que la délégation des start-up françaises est juste derrière celle des Américains. Donc voilà, on a première fait délégation très, très fort. Étrangère. Exactement. Et alors bon, on va pas toutes les faire parce que s'il fallait qu'on fasse 200 start-up, je pense qu'on serait là encore demain dimanche. On a fait une petite sélection, même si on en a parlé d'autres. Et sur 01net TV, d'innombrables reportages vous attendent avec des petites pépites des startups qui nous ont tapé dans l'œil, comme on dit. Alors on va parler aujourd'hui de caméras 360 degrés, de réveil olfactif des odeurs pour vous tirer du lit, d'un scanner pour aliments pour savoir ce que vous mangez. On va parler d'un objet connecté spécialement conçu pour déconnecté. Voilà, et qui a été conçu par des étudiants, en plus c'est assez sympa. On va parler d'un boîtier qui analyse la qualité de l'air, d'une douche connectée également, et puis sans oublier un parapluie connecté. Voilà, et la douche connectée, le parapluie connecté, ça va presque ensemble. Exactement. Hein. Donc vous avez vu, on réfléchit quand même. On est en direct, le hashtag 01live sur Twitter bien sûr, si vous voulez nous poser vos questions et réagir avec nos invités. Bienvenue donc, et Jérôme, on va commencer par donc ce réveil olfactif. Guillaume Roland est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Guillaume qui est déjà une petite star au CES, mais également en France, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de cette innovation. Il y a plein de vigiles derrière qui le surveillent là. Hein. Oui, puisque vous aviez conçu ça il y a quelques temps déjà, vous avez été repéré par Google qui vous a un peu aidé, si je me souviens bien. Là, vous avez votre stand au CES, le ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron, est passé vous voir, entre autres start-up. Et donc ce joujou, le voici. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le produit final. De toute façon, d'abord, il faut que vous nous disiez exactement ce qu'il fait, ce réveil. Alors, le réveil, déjà, il réveille, c'est la fonction principale, mais pas comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il va réveiller en fait avec votre odeur préférée. C'est-à-dire que ça marche avec des capsules. Donc là on a la menthe par exemple. On peut sentir la menthe. Les odeurs assez concentrées et très stimulantes, surtout, pour pouvoir réveiller en deux minutes. Ça débouche le nez. Et donc on travaille vraiment avec des parfumeurs et des personnes qui font des arômes pour avoir des choses très authentiques et pour avoir une matinée donc agréable et surtout très personnalisée. Donc on n'a pas le fameux pain des Landes artificiel qu'on trouvait avant. Ah non c'est autre chose. On a plutôt le toast, le bon toast grillé, le chocolat, on a même le café, donc du cappuccino. Et pour les Américains, on a le bacon, alors ça fait un tabac au CES. Se réveiller avec l'odeur du bacon. Avec l'odeur de bacon, c'est génial. Rien qu'en vous réveillant, vous prenez un kilo déjà. Ah, ça c'est clair. C'est un peu le problème. Mais je crois même que vous avez l'odeur de l'argent. Exactement, et aussi l'odeur du dollar. L'odeur du dollar, en fait, on a réussi à... C'est à quelle odeur, le dollar? C'est en fait l'odeur un petit peu du cuir que vous avez dans votre portefeuille et de l'encre utilisée pour imprimer le dollar. Vous arrivez à restituer cette odeur? Si vous voulez, passez sur le stand, je vous la fais tester. Elle est sympa. C'est pas ma préférée, pour le coup, mais les Américains aussi, ça leur plaît. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Alors, c'est tout simple. Là, on a une capsule, en l'occurrence, c'est chocolat. On insère la capsule la veille, et le matin, en fait, il y a un flux d'air qui va être créé, qui va passer à travers les petites bits de polymère parfumées, qui va arracher, en fait, les molécules olfactives, et va les relarguer vers l'utilisateur pour en fait stimuler ces neurones olfactifs et les réveiller en deux minutes de manière progressive et surtout de manière très personnalisable. Mais est-ce qu'on peut vraiment se réveiller avec des odeurs? Alors toutes les odeurs en fait sont ultra concentrées et surtout très stimulantes. Le seul moment où on peut pas se réveiller avec les odeurs, c'est qu'on a le nez bouché. Et pour le nez bouché, on a prévu une alarme de secours, une emergency alarm clock. Et cette fois-ci sonore qui se met en route au bout de 3 minutes. C'est-à-dire que le cerveau le sens olfactif peut réveiller quelqu'un. Oui, alors même pendant le sommeil profond, en fait, on atteint un seuil ultra concentré. On travaille avec des odeurs surtout très stimulantes. Et ce seuil atteint va réveiller, en fait, envoyer un message dans le cerveau pour réveiller l'utilisateur. Et cette fois-ci en douceur, tandis qu'un son va le faire plutôt de manière frustrante. L'avantage d'un réveil, c'est qu'il sonne, on se réveille. D'accord ? Là, malgré tout, on peut être plus ou moins sensible, comme vous le dites, ça dépend aux odeurs. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller en retard ? Alors, dans tous les cas, de toute façon, il y a l'alarme de secours au bout de 3 minutes. Vraiment, quand là, au bout de 3 minutes, il y a une alarme de secours, sonore qu'on a le nez bouché. Après, toutes les odeurs qu'on développe, pour avoir fait beaucoup de tests, justement, sont assez puissantes pour réveiller et surtout évoquent des émotions. Et ces émotions-là, la Madeleine de Proust, on connaît tous bien. Si on aime bien le croissant chaud, on va mettre la capsule croissant chaud, on va se réveiller comme si c'était le week-end.
Si on aime bien, si on aime Businessman, bon, ouais, le dollar, après, voilà, chacun ses goûts. Mais alors, c'est juste un gadget ou il y a une vraie utilité? Qu'est-ce que ça peut apporter réellement? Alors, la grosse utilité, c'est un bon réveil va forcément faire une bonne matinée et une bonne journée. Ça impacte directement sur la concentration et le moral. Qui s'est jamais réveillé du mauvais pied pour commencer une journée, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. Et donc là, on s'adresse notamment donc, aux professionnels, ceux qui qu'on commence de matin tôt pour leur journée de business. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Non, on n'a pas de blague comme ça pour le 1er avril, mais on pourrait, pourquoi pas, avoir une odeur chaussette. Odeur chaussette. C'est vrai. Une odeur de chaussette pour se réveiller. Combien ça coûtera? Alors le réveil, il sera à 99€ avec une capsule offerte, sachant qu'une capsule, c'est 30 réveils, 30 utilisations. Réveils, donc un mois. Et ensuite, un pack de deux capsules, ça sera 9,99€. Et ça sort quand? Alors on livre en mai-juin. Donc on prend déjà les précommandes sur le site, on est en cours d'industrialisation, c'est parti. Donc là c'est un proto, mais ça va arriver. Exactement, ouais. Design définitif. Donc on a avancé depuis le premier proto justement de garage qui avait été présenté à la Google Science Fair. Et vous avez d'autres projets déjà? Alors oui, notre vision c'est vraiment de continuer dans les odeurs avec d'autres applications. Donc aujourd'hui c'est le réveil, c'est un petit peu un premier pas pour faire connaître du grand public. Derrière il y a plein d'autres applications qui méritent notre attention au niveau des odeurs et on continuera dans cette voie-là. Merci. D'accord. Guillaume. Très bien. C'était un plaisir. Et bon vent Guillaume pour la suite. C'est ce CES a été un vrai succès donc pour vous, enfin on peut Alors, le dire. Je pense que là on a fait, on est vraiment très content en termes d'ouverture médiatique et de business, rencontre business, distribution. Car vous avez signé avec des distributeurs. Alors, on signe pas sur le stand, mais on prend contact, des bons contacts. Et des gens qui aiment beaucoup le produit. Alors vous l'avez dit, Macron qui a visité quelques startups, des contacts aussi intéressants dans ce sens-là. Et ça lui a plu. L'odeur du dollar, ça lui a particulièrement plu. En tant qu'ancien banquier d'affaires. Emmanuel Macron aime l'odeur du dollar, c'est une info. Bah oui. Bah, non, c'est vraiment c'est sympa et c'est un très bon RP. Voilà. Il présente les produits devant les journalistes, c'est lui qui pitch alors à notre place, donc franchement, on ne peut pas trouver mieux. Super. Donc non, des super rencontres CES. On a deux questions pour vous, Guillaume. En fait, une réflexion d'Aurélien sur Twitter, ça peut être pratique pour les sourds et les malentendants. C'est vrai, vous en l'avez fait, pas dit, c'est l'origine du projet, pour être très honnête. C'est mon papa qui travaille dans une maison de retraite, avait du mal à réveiller toutes les personnes âgées, il fallait faire appel à des personnes qui allaient voir. C'est génial. C'était trouver une alternative. Donc bien sûr, après, avec le temps, le côté commercial et grand public est arrivé. Mmh. Mais tout départ, pour le Google Science Fair, c'était justement pour les sourds au réveil. D'accord. Bravo. Et peut-être que vous l'avez dit, mais Jules nous demande quelle est la durée de vie d'une capsule. Alors Jules, la durée de vie d'une capsule, c'est 30 réveils. C'est 30 réveils, voilà. 30 c'est utilisations. Ça, on peut switcher comme on veut entre les différentes. Et après, on peut imaginer peut-être même des fabricants tiers faire des capsules avec des odeurs, non? Alors, en fait, on travaille avec Givaudan, c'est le leader mondial des arômes et des parfums. Ils font notamment le Dior, j'adore, ils font plein d'arômes et de parfums. Donc là, on a croisé par exemple des groupes comme Kellogg's, des groupes comme Univers qui font des groupes de cinéma qui font des films avec... Pourquoi pas faire des sorties d'autres capsules spéciales, faire du co-branding. Oui, et ça les intéresse beaucoup aussi. Ça, c'est marketing olfactif, c'est un Switch Plate. Un chocolat très sucré, en fait. C'est le chocolat, ça? C'est chocolat à l'américaine, en fait. Je ne l'ai pas reconnu. Ah là là, ça sent l'odeur des casinos, un peu. Ah, chocolat à l'américaine. Dans les casinos, ça sent ça? Ça rend très addictif, comme les casinos. Ouais, bon, celle-là, moi, je ne me réveillerai pas avec ça. Je vais faire la menthe. Et on va tester dollars sur le stand après. Merci Guillaume. C'est un plaisir. Et bon vent. Merci d'être passé. Et à très bientôt. Autre innovation. Maintenant, c'est avec Rémi Bonas qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Rémi, on était dans l'olfactif, Jérôme. Là, on va être dans la nutrition. C'est bien aussi. Ouais. C'est alors, parler de nutrition quand on est à Las Vegas, comment vous dire? C'est un peu compliqué quand même. Hein, parce qu'on mange tout, n'importe quoi, n'importe quand. Tout mélangé, surtout. Mélangé si possible. Donc Rémi, on va bientôt rentrer. Je crois qu'après, on va se concentrer sur votre innovation. Mais on va déjà expliquer ce que c'est. Alors racontez-nous. Qu'est-ce que c'est que Diet Sensor? Alors Diet Sensor, c'est en fait la première d'une nouvelle génération d'applications nutritionnelles. Vous savez, ces applications dans lesquelles on vient enregistrer ses aliments, mais on le fait avec 10 à 20 clics pour un aliment, et quand il faut tout compter pour avoir un régime équilibré, c'est compliqué. Ça a démarré parce que notre fille est tombée malade du diabète de type 1 il y a 2 ans, et elle s'est mise avec nous à compter tous les glucides tous les jours, parce qu'elle doit se mettre la bonne dose d'insuline pour ne pas tomber ni dans le coma ni être en hyperglycémie. Et il y a une marge de manœuvre. Ouais, 15%, 15% pour être bien. Faible, ouais. Pour bien avoir une glycémie parfaite après le repas. Et on a découvert que c'était pénible et qu'il y avait 380 millions de diabétiques dans le monde, 1,4 milliard de personnes en surpoids, des problèmes cardiovasculaires, et qu'il y a déjà 40 millions aux USA d'utilisateurs qui utilisent ces applis un peu pénibles. Et on s'est dit qu'il fallait absolument simplifier ça avec un capteur qui aille regarder dans les cellules de l'aliment ce qu'il y a, plutôt que moi d'aller dans une application, dire à l'application ce que je mange. Et on a trouvé ce capteur qui s'appelle SIO, vous en avez probablement entendu parler. C'est un petit capteur moléculaire de Consumer Physics, une société israélienne qui a été primée à Davos comme l'une des 49
l'un des 49 pionniers technologiques de l'année. Et nous, on est développeurs sur la plateforme de Sayo, les premiers développeurs à avoir donc fait un partenariat. C'est pas vous qui fabriquez l'appareil. Nous, on fait pas le device. Vous vous occupez, vous l'adaptez en fait pour votre problématique. Ouais. C'est ça. Hein. On fait une base de données et une application pour compter les nutriments. Alors, à quoi sert ce scanner en fait? Qu'est-ce qui va scanner? Eh ben, quand je vais m'approcher d'un aliment, à condition qu'il soit homogène, parce que je vais scanner que la surface, je vais appuyer sur le bouton 2 secondes. Pendant 2 secondes, il envoie un petit rayon infrarouge sur l'aliment. C'est un petit biscuit. Voilà. C'est là, la spectrométrie de masse. C'est la spectrométrie J'adore de masse, ce mot. Proche infrarouge. Et en fait, chaque molécule vibre et donne au rayon qui est réfléchi dans cette petite fenêtre une sorte de signature, comme une signature optique. Ça part dans le cloud où on a une base de données pour une analyse. Et là, c'est revenu et ça me dit que c'est un biscuit. Voilà. Et ce biscuit, j'ai analysé ses composants, ses nutriments principaux qui sont protéines, glucides et lipides. Et selon la proportion que je vais mettre, il va y en avoir plus ou moins. Et pour la proportion, je ne veux pas que ma fille elle devine, puisqu'elle doit être proche de 15% de la vérité. Donc on fait fabriquer par un industriel français la première balance connectée de poche, et que je peux balader partout. Comme ça, finalement, l'expérience de l'utilisateur, c'est je mets la balance sous mon assiette, je scanne chaque aliment, et ensuite quand je mange, la balance va compter ce que je mange, et je ne m'occupe plus de tout ça. Si j'ai bien compris, en scannant n'importe quel ingrédient, n'importe quel le gâteau à la maison, ça marche. Est-ce que je peux scanner un gratin dauphinois, un bœuf bourguignon? Alors, c'est une très bonne question. Sur le gâteau fait à la maison, ça marche. Sur le gratin dauphinois, les lasagnes, les pizzas, vous avez vu, ça scanne qu'une petite portion et la surface. Donc, c'est la limite de cette technologie. Et je n'ai pas trouvé, mais on va trouver, une autre technologie qui nous évite d'aller dans une base de données. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une base de données qui a 600 000 aliments, 50 pays, 19 langues. C'est l'une des premières mondiales. Elles l'ont intégrée à l'application et l'utilisateur, comme ça, il peut tout enregistrer. Et pas seulement les aliments homogènes. D'accord. Parce que ça peut avoir une utilité pour tout le monde, en fait. Si moi, je vais faire attention à ma ligne, voilà. Notre première cible, c'est les personnes diabétiques, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui font attention au cholestérol, donc aux graisses saturées, les personnes qui ont des vrais problèmes de santé à cause du surpoids. On travaille avec Marc Salomon, un médecin français qui a lancé plusieurs outils comme ça de coaching comportemental, notamment nutritionnel, et qui nous aide à adapter des conseils. À chaque fois que je scanne, j'ai un conseil. Et ces conseils sont orientés autour du manger sainement, parce que c'est ça que doit faire un diabétique, c'est ça que doit faire quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire. Donc vous pouvez vous en servir aussi pour un régime. C'est commercialisé? Ça sera prêt en septembre. On lève des fonds pour accélérer. Là, on cherche 2,5 millions, mais je crois qu'avec le CES, on les a trouvés. Et on sera prêt avec la base de données qui pourra scanner toutes les nourritures homogènes au monde. Ce CES, donc, pour vous, c'est une bénédiction, enfin, En fait, on a postulé pour les awards, les Innovation Awards, et il se trouve qu'on a été choisi comme le best-of, c'est-à-dire l'application la plus innovante, la plus design et la plus utile pour le CES cette année. Et ça vous a ouvert des portes, c'est-à-dire des investisseurs potentiels sont venus. C'est juste énorme. Les médias étaient déjà venus, mais... Les médias, on a eu 80 articles et interviews en 2 jours, les investisseurs sont venus. Ça n'existait pas, ça? Ça n'existait pas avant. Ça, c'est la première au monde, Ce scanner, en fait, la technologie existe depuis 60 ans. Elle est utilisée dans tous les laboratoires du monde. La spectrométrie de masse. Mais c'est dans une grosse machine qui coûte plus de 20 000 dollars. Ils l'ont fait pour 250 dollars, donc vous l'achèterez sur dietsensor.com, mais vous pouvez le faire dès maintenant en précommande. Et après, vous payez l'application pour accéder à la base de données 10 à 20 dollars par mois. Et on peut s'arrêter et reprendre quand on veut. Sinon, l'application est gratuite, comme toutes les applications nutritionnelles, si on n'utilise pas le capteur. D'accord. Bravo. Bah, écoutez. Bon très bonne idée. Donc à Diet Sensor, donc. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. François, nous allons maintenant nous intéresser à une innovation qui, j'en suis sûr, va te passionner. Ah. Toi qui aimes les ablutions. C'est vrai. je suis fan d'ablutions. On ne peut rien te cacher, Jérôme. Il passerait des heures dans sa douche, à chanter dans sa douche, etc. Désolé, vous connaissez ma vie privée à Las Vegas, mais c'est comme ça. Voici la première douche connectée, un pommeau de douche connecté. Gabriel, c'est vous qui avez eu l'idée de mettre ça au point. Qu'est-ce que c'est que cette douche connectée? Alors justement, l'idée c'est de ne pas passer trop de temps et d'essayer d'économiser l'eau. L'idée a été surtout de rendre l'objet ludique, parce que tout le monde est conscient qu'il y a un manque d'eau sur la planète, en particulier ici à Las Vegas, vous savez on est au milieu du désert. Voilà, que le Colorado est en train de s'assécher. Et donc on s'est dit, il faut faire vraiment quelque chose. Et de façon ludique pour que les gens adhèrent et se rendent compte que de leur consommation. Parce que finalement, une douche, peu de gens le savent, mais c'est 80 litres d'eau.
Et alors une douche de combien de minutes? Enfin, tout dépend de en moyenne, il y a eu un sondage BVA cette année, c'est à peu près 7-8 minutes, donc 80 litres pour une douche en moyenne. Un bain, c'est pire. Hein. Un bain, c'est au moins le double. Ouais. Ça va être d'accord. Le double. Et ça coûte combien une douche? On arrive à savoir ce que ça représente en termes de coût? Oui, alors exactement 80 litres, c'est 50 centimes d'euros. D'accord. Et ce qu'il faut, dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a le prix de l'eau qui est inclus dedans, mais également le chauffage pour chauffer cette eau. C'est équivalent, il y a une part égale. Donc quand on économise l'eau, on économise aussi du CO2. On évite de lancer du CO2 et surtout on réduit sa facture à la fin du mois. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette douche exactement? Elle mesure en temps réel, c'est voilà, alors en temps réel, elle va mesurer... Et elle s'arrête quand j'ai passé non, le quota? Non, elle s'arrête pas. Je peux pas brasser, c'est ça? Non, je vous ai dit que l'idée, c'était surtout de ne pas effrayer et énerver le consommateur. Donc c'est l'idée, c'est d'être ludique. Donc vous voyez, alors ici, on n'a pas d'eau, donc on a fait un petit simulateur. L'idée, c'est qu'elle change de couleur en fonction du nombre de litres. Donc il y a un voyant lumineux qui permet de... Vous voyez, là, on était vert jusqu'à 10 litres. On va passer à bleu ensuite, par exemple, et puis rose, rouge, jusqu'à ce que ça clignote, pour nous dire qu'il est temps. Et alors tout ça, c'est... Alors je vais essayer de tenir... Mais alors, quelles sont les technologies qu'il y a à l'intérieur de cette douche? Alors, la techno qui est à l'intérieur, c'est un microcalculateur qui permet de faire tous ces calculs, et également un circuit Bluetooth. Tous ces produits viennent de mon partenaire qui est ST Microélectronique, une grande boîte française que vous devez bien connaître. Et il y a également quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il y a une micro-turbine qui permet de générer du courant et donc d'être totalement autonome. Ah, c'est-à-dire, génial, on le prend son produit, on le branche et il n'y a rien à faire, c'est totalement c'est autonome. C'est un mini barrage hydraulique. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, une petite centrale hydraulique. Ouais, c'est très intelligent. Et évidemment, il y a beaucoup d'électronique, donc j'imagine que tout est étanche, mais vous avez fait des tests poussés, c'est quelque chose qui... On voit que les douches sont toujours victimes de calcaire, de trucs comme ça. Oui. Ça pourra malgré tout avoir une durée de vie intéressante. Oui, alors il faut savoir que le produit, on l'a mis entre les mains des gens. On a fait un crowdfunding l'année passée et il a été distribué à 1000 exemplaires déjà depuis le mois d'août. Donc on a déjà un retour de 1000 personnes depuis le mois d'août. Qui vous disent quoi? Qui disent que c'est pas tombé en panne déjà. C'est déjà bien. Et qu'ils adorent. On a des témoignages fabuleux de petits-enfants. C'est très bien, même pour les enfants. Oui, les enfants adorent. Ils deviennent, ah papa, j'ai respecté, je suis allé jusqu'à Rose cette fois-ci. Ah, hein. Oui, on n'a plus besoin de crier à la maison. Et si génial pour beaucoup de familles. Parce que bon, si on veut économiser l'eau, on peut notamment couper l'eau pendant qu'on savonne, par exemple. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il reprend un cycle complet de calcul ou Non, justement, c'est une très bonne question. Ouais, parce que on a pensé. C'est la spectrométrie de masse. Non, c'est pas ça. Je vais même vous le faire en direct. Donc si on coupe, qu'on se rince, eh ben, on va conserver, malgré qu'il n'y ait pas de batterie, l'état dans lequel on était envoyé. On continue à clignoter, on n'a pas recetté le système. Ah, donc en fait, il faut faire on-off quand on rentre dans la douche, c'est ça? Non, c'est-à-dire si on se savonne, on met en mémoire le système. Dès qu'on remet l'eau, voilà, ça repart. Exactement. Voilà. Il sait faire la différence entre ce break au milieu d'une douche. C'est un timing, c'est-à-dire que si on a jusqu'à 3 minutes pour faire son savonnage, si on est plus en temps. La techno, c'est du Bluetooth. Voilà. Donc après, on va voir ces données qui vont arriver sur le téléphone. Voilà, exactement. Et ça, c'est le deuxième intérêt du produit, c'est de pouvoir faire un suivi de sa consommation, de pouvoir réussir à voir si on a fait des progrès, de faire des concours à la maison, de comparer entre les frères et sœurs, les parents, les douches de la maison. Il y a une remarque amusante de Jules sur Twitter qui nous dit, mais alors le voyant est sous l'eau, ça veut dire qu'il faut se prendre la douche dans la figure pour voir de quelle couleur il est. Mais vous savez, bon là on est sur un plateau avec des éclairages très violents, mais on voit dans sa douche la lumière, il n'y a pas de souci. J'avais une petite question aussi concernant donc le Bluetooth, mais si donc il faut que mon téléphone soit pas trop loin, il faut que mon téléphone soit dans la salle de bain pour que ça fonctionne? Alors non, l'idée c'est que le téléphone sert à quoi? Il sert à configurer le pommeau pour on dit si les gens aiment plutôt du rose, du fer, jusqu'à 10 litres, tout ça c'est complètement configurable. Ma fille qui a des cheveux très longs, elle utilise 150 litres. Alors si on lui met un objectif à 20 litres, elle va faire la tête. Ah oui, on va mettre plutôt un peu de shampoing dans les cheveux. Voilà, donc on va mettre plutôt un seuil à 100 litres, on va dire. D'accord. Donc on va paramétrer des profils. Donc ça sert à ça. Mais une fois que c'est programmé, on n'a plus besoin de son smartphone. D'accord. Et la deuxième chose, c'est pour récupérer les données, il y a une mémoire à l'intérieur du pommeau qui va permettre de conserver les données un mois, deux mois, des centaines de douches.
Et le jour où on va arriver pas trop loin de sa douche, on va télécharger ces données. Automatiquement. Le téléphone va se mettre à jour. Et on n'a pas encore fait, mais elles vont être poussées dans le web et on va pouvoir les consulter même sur Internet, ces données. Tu sais quoi, Jérôme, c'est vraiment une tendance, ça, de monitorer tout l'eau. Alors, l'eau, ouais. Mais rappelle-toi avec le Lumignon qu'on avait vu avec Engie. On a reçu ici, oui. C'était monitorer l'électricité pour avoir ce même challenge d'essayer de baisser sa consommation. Est-ce que vous avez une idée des économies qu'on peut réaliser grâce à ce pommeau? Voilà, ben, on a totalement testé, donc je vous ai dit, ce produit. On a vu qu'entre 10 et 20% on est arrivé rapidement à les atteindre, ouais. Ce qui représente pour une famille de 4 personnes environ 200 euros par an. Ah oui, quand donc même. C'est pas négligeable. Et alors, quel est le prix du produit? Alors, le prix actuellement, la première version est à 70 euros en France, et ça, on compte le commercialiser à moins de 100 euros. Ah oui, ce donc nouveau on l'amortira design. Très vite. Alors, en bout de 4 mois, il est amorti. Ça, c'est une nouvelle version. D'accord. Voilà. Ça va sortir. Oui, ça va sortir. Et alors, excusez-moi, il y a un petit truc que j'ai pas compris. Oui. Comment il gère les profils? Comment il sait qui rentre dans la douche? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Je vois que vous êtes spécialiste. Merci. C'est l'aspect non. Non, alors pour l'instant, il faut se déclarer. Il faut y déclarer avec son téléphone qui est en train de prendre sa douche. Ouais. Il y a une nouvelle version en préparation qui va avec détecter. On voudrait que ce soit quand même assez automatique. En fonction de la température de l'eau qui est utilisée, du nombre de litres, de la hauteur de la douche, on va pouvoir savoir automatiquement qui est en train de prendre la douche. Ah ouais, c'est à revenir. Ouais. C'est pas tout de suite. Avec une caméra Non, on est malgré quand même, tout, il faut que j'ai mon téléphone à proximité à chaque fois que je prends une douche. Non, je vous ai dit, ça, on conserve les données à chaque fois. Et je vous dis une fois par mois, pour que le pommeau douche sache qui va se doucher. Ah si, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui, pour savoir qui doit se doucher. Ah ouais. Alors après, il y a la douche des parents, la douche des enfants. On peut déjà faire une discrimination de cette façon. Bon, alors quelque chose de très important, c'est qu'on a fait un partenariat avec le groupe Accor, qui a installé dans un hôtel de la ville de Grenoble. Un hôtel Novotel pendant la COP21 et alors pourtant Grenoble ils ont de l'eau, il y a des montagnes tout autour. Il y a de l'eau mais on a demandé aux clients, on a fait un sondage, les clients n'ont fallait pas... faire ça en Corse. Oh, il y a pas mal d'eau aussi. Non, mais c'était vraiment très intéressant pour le client et pour nous ça nous ouvre vraiment une opportunité de marché intéressante. Bon, super. Prochaine étape, c'est la baignoire connectée. La baignoire, les robinets, beaucoup, tous les points d'eau. Vous travaillez toujours sur d'autres Sur d'autres capteurs également, on n'est pas obligé de mesurer seulement le volume, mais on peut aussi imaginer de faire autre chose. Voilà, c'est bravo. Dans les cartons. Hydrao, la très douche bien. Connectée. Hydrao. Merci beaucoup. Parfait. Merci de nous voir, Gabriel Della Monica. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bon alors Jérôme, la douche, c'est bien. Oui. Mais parfois on la prend sans le vouloir, la douche. Ah, oh là là. Vous avez vu un peu le... Ouais, non, mais il a un talent pour les transitions. Non, tu poses des bonnes questions, moi j'essaie de faire des transitions... Brillante. Je suis un peu jaloux parce que le monsieur a dit aucun moment que je posais des bonnes questions. Alors que toi, il non, a dit deux fois. Non, mais ça viendra. S'il vous plaît, vous pouvez lui dire tout à l'heure. Je lui dirai. Des bonnes questions. Je lui dirai. Voilà. D'accord. Sans problème. Bon, alors ça, vous allez voir, c'est un parapluie connecté. Vous vous dites, ça y est, Zéronet TV touche le fond. Après la douche, le parapluie connecté, ça craint un peu. Ben écoutez, pourquoi pas un parapluie connecté? Et on va en parler donc avec notre invité. Bonjour, messieurs. C'est Clément Guillot. Clément Guillot. J'ai enlevé le badge, voilà. Du coup. C'est ça. Clément, alors présentez-nous votre parapluie. Alors le parapluie connecté, alors, il est connecté à travers une... Là, vous nous avez apporté le modèle parapluie de Cherbourg. Voilà. C'est le modèle disco. C'est le modèle disco. Vous voulez que je l'ouvre? Parce que vous pourrez on pas peut l'ouvrir aussi. Et tout faire en même temps. Ouais. Regardez, il y a une petite puce qu'on a installée au bout de la poignée et qui capte en temps réel des données météo. Il est certifié anti... Au CES de Las Vegas, rien ne porte malheur, mon pote. Tu peux y aller. Donc c'est la petite puce qui est au bout de la poignée, elle capte des données de météo en temps réel. Donc les données qu'on capte, c'est à travers les sensors, les capteurs, ouais. Ça va être... On dirait Rihanna comme ça. Oui. Il ne reste plus qu'à danser. C'est ça. La température, la pression, l'humidité, la luminosité. Ça se passe, tout se passe là. Toute l'intelligence se réduit à ça. Et ces données, elles sont envoyées en Bluetooth à votre smartphone en temps réel. Ouais. Et de votre smartphone, elles sont envoyées à notre plateforme qui s'appelle Wezoo, qui est liée à notre appli qui existe déjà. De météo communautaire et temps réel. Et donc ça va ajouter des données à toutes celles qu'on a déjà, des données donc de météo temps réel. Et avec ces données, on va faire différentes choses. On peut l'ouvrir, elle n'est pas dedans parce qu'elle est sur un usage, mais en tout cas elle vient se positionner là-dedans. Et ces données, eh ben, elles vont nous permettre de travailler sur des alertes très court terme. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'information très locale, très court terme. Et ces alertes, elles vont se traduire de la manière suivante, c'est que vous allez recevoir une notification sur votre smartphone qui vous dit ben, là où tu es, dans 15 minutes il va commencer à pleuvoir, donc n'oublie pas ton parapluie. Prédiction mais vraiment très court terme, hyper comment local. Prévoir
Enfin, comment il peut prévoir? Alors, c'est quand même une science. Voilà, alors c'est justement notre valeur ajoutée, c'est que. Certainement très intelligent, mais. Merci. C'est un peu aléatoire quand même. Bah, oui. C'est un peu aléatoire, sauf que nous, on travaille sur des données temps réel qui viennent d'énormément de sources de données, des objets connectés, bien sûr, notre communauté existante. Les réseaux sociaux qu'on analyse en temps réel, et sur Twitter il y a des milliers de tweets chaque minute de gens qui parlent de météo, oui. Et puis des données qui viennent de l'open data qui nous permettent de manière très fine, pas très loin dans le temps, nous on n'est pas des prévisionnistes, mais très proche dans le temps, 15-20 minutes, on est capable de dire la pluie, l'événement météo en train d'arriver sur vous, ou la neige. Donc on envoie ces alertes de manière en push, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire la démarche, de voir est-ce qu'il va pleuvoir, c'est que l'information vient à soi, c'est vraiment ça la force. Mais elle a été captée service. Comment alors? Avec d'autres parapluies. Avec d'autres parapluies, et ce que j'évoquais, d'autres défi, capteurs. C'est que pour que ça marche votre système, il faut qu'il y ait des tas de parapluies connectés. Ça marche encore mieux s'il y a beaucoup de parapluies. Mais on a déjà beaucoup, beaucoup de données. On analyse nous déjà des centaines de millions de données temps réel chaque mois. Donc c'est-à-dire on a déjà énormément de matière. Je sais pas, à 5 km de chez moi, qui utilisent ce parapluie, qui soit dans le sens du vent, et pour que moi je puisse récupérer une information intéressante. C'est vrai que Jérôme a raison, il faut qu'il y ait une densité. Il faut qu'il y ait une densité, mais qu'on a déjà en fait. C'est une très bonne question d'ailleurs. Ouais, c'est une très bonne question, François. Merci de l'avoir posée. Merci. Voilà. Je suis ravi. On a déjà cette densité de données en fait. Avant même de lancer le parapluie, on a déjà cette densité de données. Donc le parapluie permettra de rajouter du volume pour être encore plus fin, mais on a déjà cette densité par le contenu qu'on a autour de Wezoo et notre application existante. Donc ça c'est le premier service, c'est l'alerte avant pour pas qu'on l'oublie et qu'on c'est trop dommage d'avoir un parapluie chez soi et de se faire inonder alors qu'on va juste chercher du pain ou ses enfants à l'école. Et puis le deuxième service qui est encore sans doute le plus pertinent et intéressant de retour qu'on a au CES, c'est que cette petite puce, comme elle est mariée à votre smartphone, si vous vous en éloignez un peu trop, en gros si vous êtes en train de l'oublier au restaurant, au café, chez les amis, au musée, où que ce soit, et parce qu'il pleut plus, Vous allez le perdre. Donc nous, on vous envoie une notification là aussi sur votre smartphone. Ça, c'est bien, parce que le nombre de parapluies oubliés dans les restaurants... C'est des volumes énormes. On n'a pas mené... C'est complètement... On n'a pas fait de sondage très précis, mais les gens, ils oublient entre 2 et 3 parapluies par an. Oui. Donc il y a vraiment un volume important sur lequel on essaie de combattre. Pour rassurer tout le monde que la version disco, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais... L'innovation, elle est dans le manche. Elle est dans le manche. On a d'autres matières, d'autres couleurs sur le parapluie. Donc on peut imaginer que demain, ce petit capteur, on le retrouve dans tous les parapluies, qu'on puisse même adapter un capteur sur mon parapluie à moi que j'aime bien. Exactement. En fait, comme toute l'intelligence de ce parapluie se résume à cette petite capsule, on a imaginé un système de clips qui vient se fixer sur votre parapluie existant pour justement pas avoir à racheter un parapluie au global, mais d'acheter uniquement cette petite puce et de rendre votre parapluie intelligent. Et si vous avez un beau parapluie, si vous avez déjà un parapluie que vous aimez, vous n'êtes pas obligé d'en racheter un globalement, vous rachetez uniquement cette petite puce. Et ça fait exactement les mêmes services que j'évoquais. L'alerte avant, l'alerte après, enfin si on est en train de perdre, qui s'appelle ne me quitte pas, en cette petite notification. Donc on vient récupérer son parapluie et on ne le perd plus jamais. Le prix? Alors le prix, ça sera 79€ grand public. Ou le parapluie? Le parapluie global, 29€ la puce. Et pour ceux qui vont nous suivre sur Kickstarter, on va faire une campagne de préfinancement, ça sera 59€ pour les premiers soutiens sur la campagne. C'est un peu cousin germain des petits porte-clés localisateurs. Hein, alors il y a un peu de ça, il y a en plus une station météo qui voilà, et puis la partie alerte, ça va plus loin, exactement. Ça a été profitable pour vous ce CES 2016? Très profitable, nous c'est la première fois qu'on vient là, parce qu'on vient de finir le prototype, donc on est arrivé avec plusieurs prototypes pour les démontrer. On a énormément de retours de tous les visiteurs qui sont passés nous voir, des gens très intéressés, très intéressants. Déjà des gens potentiellement intéressés pour le distribuer, qui est l'étape d'après notre campagne. Donc on a déjà commencé à nouer des premiers contacts avec des gens du monde entier. Mmh. Nous, il y a un marché évidemment en Europe, il y a un marché en Amérique du Nord, mais il y a aussi un marché très important en Asie. Au Japon, en Corée, c'est des grands utilisateurs de parapluies et des grands fans de design. Donc il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Donc ils sont interpellés par le design, qui est celui que vous évoquez, et qui interpelle. Et puis après, on leur explique ce que ça fait en plus. Donc les deux choses leur plaisent, le côté design et le côté service. Et donc on est assez impatient de passer à l'étape suivante. Dites-moi, il faut le recharger tous les combien, le parapluie? Alors on a mis une petite pile accrochée à la puce et c'est tous les 3 ans. Comme dès qu'il est en veille, il se met en sommeil. On a le temps de le perdre. On vous aide à ne pas le perdre. Mais en tout cas, on a fait en sorte qu'il ne consomme pas trop pour justement pas avoir à changer de pile trop souvent. Et Clément, on peut se rendre compte que finalement ce capteur, on peut le mettre même sur d'autres objets que le parapluie, non? Alors, ça peut avoir du sens de l'avoir dans la poche de son blouson, quelque chose comme ça, non? C'est une très bonne question. Deuxième. Ouais. Bah, oui. Il pose des super. Vraiment des bonnes questions. Toi, en revanche, c'est un peu moins bien là. Donc, on est en train d'imaginer comment est-ce que maintenant qu'on a créé cette intelligence électronique et puis tout ce qu'on fait derrière de traitement de données, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Sur quels autres objets on pourrait le mettre? Et il y en a plusieurs qui nous viennent en tête. Un chapeau, une casquette. Voilà, un tout ce qui est en contact avec le monde extérieur, chapeau, casquette, les sacs à dos. Voilà, donc il y a plein d'idées en tête. Parfait. Bah, Clément Guillot,
Merci bon beaucoup. Vent, encore une fois, j'allais le dire, bon vent avec le parapluie, parfois c'est un peu embêtant. Hein. Voilà. Mais et si vous voulez bien. Nous suivre, on est bon sur umbrella.me pour voir la campagne qui commence bientôt. Voilà, Umbrella avec deux os. Avec deux os, exactement. Parfait, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Merci également. Et allez, on enchaîne. Nous allons continuer avec une innovation qui vraiment nous a bien plu et qu'on a déjà testée. Parce que celle-là, elle est complètement finalisée, elle marche. C'est d'ailleurs à voir sur 01net.tv.com. C'est la caméra qui filme à 360 degrés. Et d'ailleurs, cette séquence-là, exclusivement cette séquence, non seulement on la filme en 2D comme d'habitude, avec les moyens habituels, mais aussi avec la petite caméra gyroptique en 360 degrés. D'ailleurs, ce n'est pas la seule vidéo qu'on vous propose en 360 degrés. Oui. On vous a fait un petit peu visiter ce CES de Las Vegas en 360, qu'on peut regarder à la fois sur YouTube, exclusivement sur YouTube, sur un smartphone ou sur un PC, en déplaçant le lecteur, on arrive à tourner tout autour de l'image. Si vous avez votre smartphone, vous faites comme ça. Voilà. Ou avec le doigt, vous vous baladez. Avec le doigt. Et si vous avez le mettre un masque comme ça. Alors là, c'est vraiment l'immersion la plus totale. Ça marche même sur ordi directement et avec vous naviguez avec la souris. Richard Rodier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Gyroptique. Oui, cofondateur de Gyroptique et à la tête de la boîte depuis 3 ans maintenant. Bravo. Super. Alors on vous connaît bien parce que c'est pas votre premier CES, vous étiez l'année dernière je crois. Tout bien, à fait, hein. On est à l'année dernière, c'est la deuxième fois, cette année c'est un CES un peu différent pour nous, c'est un CES principalement retail. Mais parce que là vous vous rapprochez de la date de sortie, là, de ça sort là. Il faut évidemment faire de la tech mais il faut la vendre aussi à un moment, c'est important, c'est le principe même d'une boîte. D'ailleurs on a l'impression que ça a mis un peu de temps quand même à accoucher. Hein. Entre la toute première fois où vous êtes venu nous présenter le prototype et puis la sortie qui maintenant se rapproche, il s'est écoulé vraiment beaucoup de temps. Tout à fait, et en même temps quand on regarde ce qui peut se passer aujourd'hui sur le CES, on n'est toujours pas égalé, personne ne vient, n'a réussi à faire la même chose que l'on a fait, donc on a une vraie technologie, effectivement ça peut prendre un peu de temps. C'est vrai, alors pourquoi? Parce qu'on en voit quand même beaucoup des caméras 360. Moi j'en ai croisé même dans les couloirs, des types avec une perche dans le dos, un truc en haut. Qu'est-ce qu'elle a de différent, la vôtre? Alors, on n'a pas inventé la vidéo 360 degrés. Ce qu'on a inventé, c'est un moyen qui permet à tout le monde, ma mère, je prends souvent un exemple, la pauvre, c'est un moyen à tout le monde de faire du contenu sphérique à 360 degrés. L'idée, c'est on prend des données qui viennent de différents capteurs et on les recolle en temps réel sans avoir besoin de passer par du processing sur un ordinateur. Pourquoi? C'est simple, la meilleure des caméras, c'est celle que vous avez sur vous, c'est votre smartphone aujourd'hui et votre smartphone, il est en réel. Le smartphone, imaginez votre smartphone si vous deviez le brancher sur votre ordinateur pendant 10 minutes de manière à pouvoir lire une vidéo ou la récupérer. Mmh. Vous ne l'utiliserez jamais. Le 360 degrés, si on veut qu'il soit consumer, c'est la même chose. Donc beaucoup de technologie dans ce produit en effet. On a mis un petit peu de temps à finaliser le produit. On est en pleine production. Selon vous, c'est très accessible, donc c'est facile à utiliser. C'est complètement accessible. Le produit, on en a là sur le plateau qui est en train de nous filmer, c'est deux boutons, un bouton pour l'allumer, l'autre pour le démarrer. D'accord, dedans il y a une carte mémoire. Les mêmes fonctionnalités, je dirais, qu'un produit vidéo standard. Vous allez retrouver 3 microphones, vous allez retrouver du Wi-Fi, vous allez retrouver des optiques, un petit écran, un port USB, une batterie, carte mémoire. Quelques petites spécialités. Autonomie. Autonomie 1 heure en film continu. Ah, c'est pas énorme quand même. Faites la même chose avec votre GoPro aujourd'hui. Donc on est très loin. Et c'est long 2 heures de vidéo. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça tombe d'avoir un peu mal. Mal à la tête quand même en 360. Et surtout, ce que je vais rajouter aussi sur ce produit, on a une approche qui était différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait juste une caméra, on a fait une caméra qui est très versatile. Je vous ai ramené un exemple en fait d'usage. Ah oui, ça, c'est exactement le même produit. Ça, c'est génial. C'est le même produit, on a juste changé en fait. Attends, on ne la voit pas à l'image là. Alors, je vous laisse montrer. Tu peux savoir, Florian? S'il te plaît, voilà celle qu'on voit. Voilà, j'ai peut-être un plan là si c'est possible. Hop hop, celle que j'ai entre les mains. Voilà. Vous allez tout comprendre, c'est la même, hein. Mais je la retourne, je la mets à l'envers. Il y a une douille. Et elle a une douille de lampe, une douille E27 à spectrométrie de masse. C'est la meilleure, hein. C'est excellente, surtout le matin avant le petit déjeuner. Elle existe en baïonnette aussi, je vous rassure. Elle existe aussi en baïonnette. Donc ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? On récupère de l'électricité donc par l'ampoule. En général, on va retrouver au milieu de toutes les pièces une lampe, un plafonnier. Mmh. Assez simple, on dévisse l'ampoule, on remplace ça par la caméra. La caméra s'allume, elle pourrait s'allumer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wi-Fi sur votre connexion Internet. Et de là, ça part sur le cloud, ça part sur votre smartphone. C'est d'ailleurs, un système... je peux aussi la mettre dans ce sens-là, dans une lampe. On peut la mettre dans ce sens-là, ça fonctionne des deux côtés. Mais ça n'éclaire pas, par contre. Ça n'éclaire pas. La lampe n'éclaire pas. La lampe n'éclaire plus. L'idée en fait, de cet usage-là était de dire comment on peut mettre un système de vidéosurveillance très simple à la maison. Je crois qu'il y a un concurrent qui a fait un truc qui éclaire. Enfin bref, parenthèse. C'est très bien, c'est-à-dire que
au lieu d'avoir une petite caméra de surveillance chez soi classique qu'on met dans un coin de la pièce et qui va avoir une certaine profondeur, là, l'idée c'est de mettre la caméra de surveillance au milieu d'une pièce. Voilà, tout à fait. Une chambre d'enfant par exemple. Exactement, l'idée c'est de dire vos enfants sont malades, ou vous devez vous absenter, vous voulez regarder ce qui se passe à la maison dans une pièce, vous l'installez, c'est très simple, vous avez juste à visser, vous assurez qu'il y ait du courant qui arrive. Parce que là c'est du stream et live. Ça fonctionne. Et là on est dans du stream live. Parce que voilà, votre caméra fait les deux, elle enregistre. Mais fait du stream live. Exactement, stream live, ça veut dire on recolle toutes les images en temps réel dans la caméra et on les envoie sur le cloud, on les envoie un peu où on veut. J'ai les mêmes qualités en fait que lorsque j'enregistre. La différence c'est qu'on enregistre en fait l'ensemble du champ de vision sur un flux qui est Full HD. Donc forcément quand vous regardez une seule portion, vous avez un peu plus pixelisé. Mais il faut voir un moment la vidéo et la photo 360 degrés comme étant un reset de l'expérience photo et vidéo. Souvenez-vous des premiers appareils photo photographique numérique. L'expérience c'était quoi? Finalement on peut prendre des photos que l'on jette, des photos gratuites, des photos que l'on peut expédier. On s'en fiche. C'était pas ça, c'est un nouveau type d'expérience. Et là dans le 360 degrés c'est la même chose, c'est-à-dire que l'expérience de pouvoir naviguer, revivre, avoir un film et un million d'histoires fait oublier effectivement un défaut de qualité. Mais c'est un défaut de qualité qui est purement la technologie. On a fait un reset, on y travaille, c'est plus d'images par seconde, c'est-à-dire plus de pixels également. Il faut tout réinventer. C'est juste le début, souvenez-vous du numérique, c'est exactement la même chose. Il faut dire qu'il faut tout changer en fait, il faut changer les capteurs, les processeurs, etc. Exactement. Et on pourra un jour avoir une image en 360 degrés de même qualité que ce qu'on a là en 2D. Venez nous voir au CES l'année prochaine. Voilà, ça sera votre innovation. Beaucoup d'innovation. Comme je vous dis, il y a tout à réinventer. Cette année, on n'a pas fait d'annonce, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Cette année, c'était principalement sur un CES Retail. On vit là-dessus, tout le monde est très content de ce que l'on a fait. Mmh. Vous êtes des pros d'image, effectivement, vous pouvez voir les petits défauts. Ouais. L'idée, c'est encore une fois, c'est de retrouver ça dans les magasins, dans la distribution sur 2016. Et puis on arrivera au CES l'année prochaine. 499€ pour la caméra standard. Et vous allez retrouver des accessoires donc avec le light bulb aux alentours de 79€. D'accord. Richard, est-ce que le cinéma peut être intéressé par ce genre de technologie? Est-ce que ça peut révolutionner des industries, par exemple? Je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans l'industrie de la vidéo tout court en fait. Ça, prenez ce casque de réalité virtuelle ou un Oculus, sont au final des télés à 360 degrés. C'est comme ça qu'il faut les voir. Télé à 360 degrés dit nouveau type de contenu. Aujourd'hui, le seul contenu qui puisse exister, c'est un contenu de jeux vidéo. Donc il faut réinventer tous les autres types de contenu, que ce soit du direct, que ce soit de l'information, que ce soit des films, que ce soit des séries. Donc oui, ça va révolutionner, mais la révolution, elle vient pas uniquement de la caméra. Si vous n'avez rien pour diffuser le contenu, ça sert à rien. Encore une fois, une technologie sans un écosystème ne fonctionne pas. Là, vous avez la combinaison entre un système de capture, un système de vision, et encore une fois, on est en train d'éduquer les gens. Aujourd'hui, la plupart des gens qui testent du contenu VR, ils le testent avec un morceau de carton. Donc qu'est-ce que vous voulez attendre de plus qu'un morceau de carton? On est dans une phase d'éducation. On en est au tout début. Venez vous voir l'année prochaine, dans 2 ans, tout ça. Il y aura de plus en plus de plages, je dirais, au contenu 360 degrés. Et je pense qu'à un moment, vous allez aussi abandonner ces télés rectangulaires, ces caméras rectangulaires que je vois partout. Il faut faire attention quand même aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu... On a énormément misé un moment sur la 3D. Ouais. Ça a été un bide. Enfin, c'est un problème de contenu. Mais disons que ça n'a pas explosé comme les industriels le voulaient. C'était un problème de contenu. C'est peut-être le risque aussi pour cette technologie qui est malgré tout beaucoup plus compliquée à apprécier. C'est-à-dire qu'il faut un masque, il faut... je veux dire, voilà, on peut pas, on a que 2 yeux. Donc si encore on était une mouche, ça peut être sympa pour une mouche, la 360. Mais là, je vais vous expliquer quelque chose. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Allez-y. C'est pas parce qu'on filme à 360 degrés qu'on va toujours regarder. Aujourd'hui, je suis sûr que vous utilisez des Deezer, des Spotify. Et quand je vous demande pourquoi vous utilisez ça, vous allez me dire, mais c'est parce que je peux écouter des millions de musiques. Est-ce que vous écoutez des millions de musiques? Non. Mais vous avez envie de pouvoir le faire et c'est ça que vous vendez. Le 360 degrés, c'est la même chose. C'est pas parce que vous filmez en 360 degrés, vous allez toujours le regarder. Vous pouvez être en moment, j'irais passif avec un scénario que soit prédéterminé dans la lecture. Oui. Par contre, vous allez vouloir filmer en 360 degrés juste pour pouvoir dire j'ai la possibilité de reprendre le contrôle. D'accord. Et l'humain, il est comme ça. On n'écoute plus de cassettes audio, les CD c'est fini. Plus de MP3. Le vinyle revient. Et attention, Richard. Le vinyle revient. Mais encore une fois, le vinyle, il revient et il est réservé à l'artiste. D'accord. Le cadrage en 16:9, c'est aussi quelque chose qui sera. Il y a Aurélien sur Twitter qui nous dit que, enfin comme nous, il a compris que pour les caméras de surveillance, c'était certainement très intéressant. Tout à fait. C'est encore une fois, on révolutionne l'industrie vidéo à travers un nouveau moyen de capture et il faut tout réinventer aujourd'hui les usages qui sont autour de cette technologie.
Il y a Taobidou qui nous dit à quand l'interview d'Emmanuel Macron en 360 degrés. Mais elle y est. Elle y est. Et ben voilà. Oui, c'est fait. Taobidou, c'est déjà fait. C'est dans la boîte. Il suffit d'aller sur la page YouTube de 01net TV pour voir un petit bout de l'interview d'Emmanuel Macron qu'on avait réalisé justement avec la Giroptique. Merci beaucoup, Richard. Un petit bout d'Emmanuel Macron, bon. Un petit bout de l'interview. Oui. Non, on ne va pas le découper quand même. Attends, il est plein d'avenir, on ne va pas le découper maintenant. Merci Richard. Merci beaucoup Richard. Bonne continuation. Juste dernière question, comme on l'a posé à tous les autres. C'est un tremplin. C'est un tremplin monstrueux. Tout à fait. Et c'est ce qui permet de préparer, je dirais, les 12 prochains mois, de préparer Noël prochain, puisque c'est à ça que ça sert le CES. Et juste une parenthèse, ça coûte cher de venir exposer au CES. C'est un beau budget, ouais. C'est un beau budget, mais si vous ne le faites pas, vous n'existez pas. Il faut casser sa tirelire, mais en le plus, retour sur investissement stand, est très, très intéressant. Bah, c'est ça. Il y a toute la logistique, les avions, les hôtels, etc. C'est... J'ai oublié ce qui se passe le soir à Vegas. Ah, il y a 2h, 3h du matin. Ça, Richard, j'espère que vous ne filmez pas en 360 quand même. On a des traces de ce qui s'est passé. Déjà que les dossiers en 2D, c'est chaud, mais alors en 360, c'est pas joli. Alors on rate rien, vous voyez. Merci, Richard. Et bonne fin de CES. On continue toujours en direct du CES 2016 de Las Vegas, spécial start-up aujourd'hui jusqu'à 21h avec. Et puis alors, juste une chose, tout à l'heure, on va vous faire découvrir une petite télécommande géniale, Jérôme. Oui. Seven Hugs. Tu te rappelles, on a vu ça. On avait oublié celle-là. Ah oui, pas oublié, le monsieur est là, il n'y a pas de souci, on va l'accueillir tout à l'heure. C'est un truc génial, vous allez voir, c'est une télécommande qui permet de piloter n'importe quoi dans la maison simplement en pointant l'objet que vous voulez piloter. C'est très malin. C'est un truc de dingue. On va en parler dans un instant. Brissup avec Laurent Debarque qui est là. Voilà, enchanté. Oui, bonjour Roland. Bonjour. Merci. Alors, quel est cet appareil vert que vous avez sur la table ? C'est clair et pollué, Jérôme. Malheureusement, oui. Eh oui. Eh bien là, avec Brissup, on va pouvoir mieux gérer l'air qu'on respire. Voilà, c'est exactement ça. Merci. L'innovation de cette année, donc en deux mots, déjà, ça fait 15 ans qu'on fait de l'analyse de l'air, parce que nous, on est laboratoire d'analyse. Oui, vous n'êtes plus une start-up, en fait. Non, on n'est plus en mode start-up, ça fait 15 ans donc qu'on travaille déjà dans le domaine de la qualité de l'air, donc c'est un domaine qu'on connaît bien. On travaille pour les gros industriels avec des techniques très dures de laboratoire. Et là, l'objectif de ce CES, c'était de présenter donc plutôt un device permettant de mesurer la qualité de l'air, et de pouvoir proposer un outil pour le B2C. Voilà. Alors comment l'utiliser en fait ? Alors comment l'utiliser ? Et pour qui surtout ? Voilà. Donc le Brissup, la vraie innovation, elle est par rapport en fait à la combinaison de la mesure de la qualité de l'air et au tracker de l'activité. D'accord. Donc on a travaillé avec des physiologistes du sport qu'on a intégrés directement dans notre société, qui se sont servis en fait du mobile en fait tout simplement pour suivre l'individu et traquer ses déplacements et pouvoir le géolocaliser. L'idée également derrière ça, c'était de pouvoir en fait regarder et analyser ses mouvements, ses déplacements, et de regarder en fait s'il était en train de marcher, en train de courir ou en train de faire du vélo. Donc une vraie innovation également par rapport au tracker qui a été embarqué dans les smartphones, c'est de pouvoir travailler sur directement le tracker personnalisé et de pouvoir le relier directement à la mesure de polluant pour arriver sur une exposition. Aujourd'hui, il faut savoir que par rapport à une personne qui va être comme nous aujourd'hui sur un plateau ou une personne qui va commencer à courir ou faire du vélo, on peut ventiler, on peut en fait ingérer des polluants jusqu'à 30 ou 50 fois plus. Donc en fait, l'intérêt était vraiment de pouvoir en fait relier la qualité de l'air par rapport à ce tracker d'activité. Oui, c'est-à-dire que quand on fait du sport, il vaut mieux le faire dans un endroit sain plutôt qu'en plein milieu des voitures. Voilà, j'ai jamais compris les gens qui couraient au milieu des voitures. Hein. Moi non plus. Mais pour respirer les gaz d'échappement. Voilà, et donc l'objectif aujourd'hui, Brissup, c'est un double combiné en fait entre une station pour la maison, donc la home station, qui va permettre également de gérer la qualité de l'air directement chez vous. Mm-hmm. Et en fait, le mobile air compagnon, ça va être un petit device qui va être emmené directement sur vous quand vous allez courir ou directement faire du vélo, et qui va également pouvoir mesurer en temps réel directement les polluants et pouvoir en fait vous donc faire... c'est en deux parties. Alors là, bon, on sent bien que c'est un, comment ça dire, c'est un impression 3D, hein, ouais, c'est ça, voilà, c'est pas un produit fonctionnel. Donc c'est en deux parties, ça c'est ce qu'on emporte sur voilà, ça toi. C'est le mobilière compagnon, donc ouais. C'est un peu gros. Voilà. Hein. Alors c'est un peu gros aujourd'hui parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de technologies hein, dedans. Et ça c'est issu d'impression 3D, Jérôme. Oui, j'ai bien compris. C'est pas un vrai quoi. Ouais, c'est un petit peu gros parce qu'en je l'ai pas dit, c'est tellement évident, mais bon. En termes de technologie quand même aujourd'hui sur le mobilière compagnon, on veut mesurer les NOx, l'ozone, les PM10, les PM2.5. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres et on n'arrive pas malheureusement à diminuer la taille pour le moment. Tiens, Florian, si avec tu une veux, mesure relativement fiable. Faire un petit zoom là-dessus. L'innovation également donc par rapport à ça, c'est que nous aujourd'hui on gère déjà une base de données de la qualité de l'air au niveau européen, et l'objectif en fait c'est de pouvoir en fait améliorer la modélisation et la compréhension de tous les déplacements d'air avec en fait ce petit device. C'est disponible quand ? Juin de cette année, c'est de pouvoir le livrer directement à l'ensemble de nos futurs clients. Et à quel prix ? On a voilà, une idée du tarif ?
Alors au niveau du tarif, sur la box complète, on est sur une target à 150 euros. 150 euros. Ah, une target à 150 euros, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu ça, celle-là. Voilà. Hein, une belle target, voilà. Cible en français. C'est une cible, bien évidemment. Mais c'est comme ça. On est à Las Vegas. Bah, tout est permis. Très bien. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour. Merci. Parfait. Merci Laurent. Et merci beaucoup. Bon vent donc à ce Laurent produit. Laurent Debarbe, société c'est ça. Là aussi, la question qu'on pose à tous nos invités, le CES. Ah, c'est un tremplin. Un tremplin tout à fait. Évident. Oui. Même à l'international. Oui, on a eu énormément de demandes sur le territoire donc américain, également beaucoup sur l'Asie par rapport aux problèmes de pollution qu'ils peuvent avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est d'aller là. Et la Chine notamment qui est victime de pollution incroyable. Hein, tout à fait. Actuellement. Voilà, l'objectif également, on a un premier partenaire donc qui est le partenaire CrossCall. Donc l'objectif c'est d'avoir une communauté également et de travailler avec beaucoup de gens de connecter. Donc on a travaillé avec un constructeur français de téléphone également qui va embarquer en natif directement notre application. Bien. Et l'objectif c'est en juin, l'application va être... Mais l'application ou les capteurs? L'application, dans un premier temps, parce qu'elle peut se connecter à un système de cloud aujourd'hui. D'accord. Donc on peut déjà avoir l'information. L'idée, ça, c'est d'avoir les capteurs directement dans le smartphone aussi. Alors c'est ça va arriver, mais 5 ou 10 ans. 5 ou 10 ans, ouais. C'est plus compliqué. Il faut quoi, les miniaturiser encore? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on enchaîne avec une télécommande magique, Jérôme. Pardon. Toi, je sais que tu adores les télécommandes. Bah, c'est surtout que moi, j'ai de plus en plus... Tu es en avoir 484. C'est vrai. Quand même, rappelons-le. Mais c'est surtout que j'ai de plus en plus d'objets connectés à la maison. Et oui. Et ça devient un petit peu compliqué. Hein. En plus, là, j'ai même acheté des prises de courant connectées, les volets, les lumières, enfin, tout est connecté. Ma femme est connectée aussi. Ma femme est connectée, absolument. Sûr, et je cherche une télécommande. Et tu rêverais de pouvoir la piloter avec ta télécommande. Absolument. Ça, c'est pas sûr. Et toi aussi, si on pouvait te faire taire de temps en temps, ce serait pas mal. Si bon. Chez Dikian est là, bonjour Simon. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors parlez-nous de cette petite télécommande qui s'appelle 7 Hugs. Alors effectivement, ça c'est notre deuxième produit, après le Hug One qui est un tracker de sommeil pour la famille. Qu'on avait découvert sur Zone Atelier il y a quelques mois. Là, on avait présenté ça. Très jolie petite boîte qui fait de la très belle lumière et voilà, qui surveille si on dort bien. Voilà. Pour résumer. Il est à la Fnac depuis un mois, et Boulanger, etc. en France. Donc on a lancé notre deuxième produit là au CES. Et on est parti du constat effectivement qu'on a de plus en plus de produits connectés à la maison. Et malheureusement, plus on en a et plus ça devient un cauchemar. Oui, parce qu'en plus, il faut une appli par marque. Et effectivement, donc tous ces objets ne communiquent pas entre eux. Et une application par objet, imaginez si vous voulez allumer une ampoule, il faut déjà prendre votre smartphone, le déloquer, trouver l'application, lancer l'application, trouver l'ampoule que vous voulez contrôler et l'allumer. Donc 5 étapes, ça prend à peu près 10 à 15 secondes si vous êtes efficace pour allumer une ampoule. Alors c'est dommage parce qu'en même temps le smartphone c'est la meilleure télécommande qui soit, c'est la plus belle, elle est connectée, on l'a tout le temps sur soi, elle est hyper puissante, etc. Mais tout ce que vous venez de dire est vrai, c'est pas forcément la plus ergonomique et il vaut mieux parfois revenir à des choses un peu simples en fait. Absolument, donc ça, c'est pour ça qu'on a lancé la Smart Remote par 7Hugs. En fait c'est une télécommande qui a la particularité d'être contextuelle. Donc l'écran en fait s'adapte automatiquement à l'objet qu'on pointe. Alors ça c'est un exemple d'écran, c'est ça? Voilà, j'ai donc tout compris. Si imaginons je pointe vers mon ampoule, c'est cet écran qui va s'afficher. D'accord. Donc on a une démo qui fonctionne sur notre stand et là on voit bien que je peux augmenter la luminosité, la baisser, changer la couleur de mon ampoule ou l'éteindre en faisant un tap. D'accord. Alors, comment ça marche? Parce que c'est presque magique. Bah oui. On se dit comment c'est possible aujourd'hui en pointant un objet que la télécommande le détecte et que je puisse le piloter. Et on est d'accord qu'on ne parle pas que d'objets connectés de la marque 7Hugs. Absolument. Non, donc, ça marche avec Sonos par exemple. D'accord. Oui, ça marche avec Sonos, ça marche avec Nest. D'un coup. Ah ouais. Donc on a voulu une solution très intuitive. Donc on voulait le geste de pointer quelque chose qu'on veut contrôler est extrêmement naturel à faire. Et on peut donc du coup contrôler tout ce qu'on veut sans avoir à passer par un menu de sélection, à choisir l'objet qu'on veut contrôler. Donc on vend la télécommande avec trois objets connectés qui sont des douilles connectées ou des prises connectées, qui sont nos propres douilles ou prises de la marque 7Hugs. Une fois que l'utilisateur a installé ça chez lui, il peut rajouter au système n'importe quoi qui est connecté au Wi-Fi ou Bluetooth. Donc aujourd'hui, on supporte par exemple le Sonos, le Nest, le thermostat Nest, les ampoules U de Philips. Enfin, ça dit thermostat Nest, il n'y a pas grand-chose à lui demander. Si. Oui, absolument. Donc, mais on peut pointer vers son thermostat pour contrôler, ajuster la température. Ah, le thermostat, pardon, excusez-moi. Le thermostat. Oui, tout à fait. Je confondais avec le détecteur de fumée, moi. Le détecteur de fumée pourrait être intéressant pour voir le niveau de la batterie. Ça nous donne un accès immédiat en fait au contrôle et à l'interface de ce qu'on pointe sans passer par une application mobile. Micro fait des grisouillis, mais bon, vous savez quoi le problème? Des grisouillis, c'est mignon. Des grisouillis, c'est très mignon. C'est un peu les contraintes du CES. Et voilà, parce qu'il y a
tel nombre de spots Wi-Fi, etc., que les micros HF, au bout d'un moment, ça fait des interférences, ça grésille. Ça ramasse des interférences. Donc, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, je me dis, tiens, ce genre d'appareil, est-ce que ça pourrait piloter ma télé, par exemple ? Absolument. Donc, la Smart Remote fonctionne avec tout ce qui est en Wi-Fi, Bluetooth. Et en plus de ça, on a prévu un accessoire pour pouvoir piloter en infrarouge n'importe quel produit. Donc les télévisions notamment sont en infrarouge. Mais il y a un petit truc qui m'échappe au niveau de la configuration de départ. Comment est-ce qu'il sait que mon Sonos est là, que ma prise de courant est là ? Il y a un apprentissage, je crois. Il y a un apprentissage. Donc en fait, il y a deux choses. C'est on utilise nos propres douilles ou prises connectées qu'on fournit avec la télécommande pour géolocaliser la télécommande en intérieur. Il y a une géolocalisation à l'intérieur de la maison. C'est comme un GPS, mais en intérieur. Et donc on sait très précisément où est la télécommande et juste en installant ces trois objets, la télécommande sait où ces trois objets sont et peut les contrôler sans avoir à faire aucune configuration. En plus de ça, lorsque l'utilisateur rajoute une enceinte Sonos par exemple, tout ce qu'on demande, c'est donc sur l'application mobile, l'utilisateur rajoute le Sonos à son système 7Hugs. Et une fois que ça s'est fait, la prochaine fois qu'il prend la télécommande, on va lui demander, c'est génial, tu as une Sonos, dis-nous où est la Sonos, mets la télécommande juste à côté de la Sonos, appuie sur le bouton d'apprentissage, et comme ça, on apprend à la télécommande où est le Sonos. D'accord. Et donc à chaque fois qu'on pointe vers le Sonos... Il faut que les appareils ne soient pas trop près les uns des autres. Alors on a une précision. Parce que si je mets une lampe sur le Sonos... Mais il te l'indique en fait. Il ne va jamais s'y retrouver. Parce que dès que tu vas bouger, il va t'indiquer que tu pilotes cet appareil-là. En fait. Ah oui, d'accord. Ça s'affiche sur l'écran de la télécommande et ça change tout en fait. On sait ce qu'on télécommande. Voilà. On a une grande précision, d'ailleurs on le montre sur notre stand où lorsqu'on pointe des choses, on a une précision assez importante. Mmh. Et lorsqu'il y a vraiment deux objets côte à côte, c'est très malin. On passe par un menu de sélection, l'utilisateur peut sélectionner l'objet qu'il souhaite contrôler. Franchement, c'est l'une des innovations, moi je trouve, les plus bluffantes de ce CES. Très bravo. Très bonne idée. Bah, merci. Bon, maintenant il faut qu'on le teste pour être sûr que ça marche bien. Hein, parce que souvent, parfois entre la promesse et puis ce que ça fait réellement à l'arrivée. Et je vous invite à venir faire la démo sur notre stand. Ben on pourra tester, quand est-ce que ça va sortir ? Alors ça sort en mars en précommande avec un prix spécial. Donc il faut s'inscrire sur notre site qui est remote.7hugs.com et on livrera les premières commandes en septembre de cette année. Et le prix spécial est de combien ? Alors on sera en dessous de 200€ pour la télécommande, sa base de recharge et trois douilles ou prises connectées. D'accord. Question aussi qu'on pose à tout le monde ici, le CES de Las Vegas, c'est un tremplin incroyable. Est-ce que les Américains et le monde entier étaient séduits par votre télécommande ? Alors, tous les acteurs ont adoré, donc on a eu une couverture presse incroyable. On a eu beaucoup de contacts, partenariats. Même des concurrents qui font des télécommandes plutôt traditionnelles sont extrêmement intéressés par la technologie, sachant que cette technologie-là peut être intégrée dans d'autres produits, dont des smartphones par exemple. On peut très bien intégrer notre technologie qu'on a brevetée dans les smartphones et d'autres produits qui sont commercialisés pour le smart home. Voilà pour la 7Hugs, cette télécommande étonnante. Merci beaucoup Simon Tchédikian. Merci à vous deux. Et terminez bien ce CES. Ben merci, à bientôt, au revoir. Et Jérôme, on va terminer maintenant avec un projet, une initiative issue d'étudiants. C'est un peu normal qu'on termine avec cette innovation. Oui, c'est sûr. Parce que si vous êtes comme nous, complètement drogué des écrans, drogué de toute la high-tech. Drogué du Wi-Fi ? Vous connaissez le discours, il y en a qui veulent nous faire déconnecter et qui nous disent parfois, mais arrête, fais autre chose. Mais t'as pas vu, t'es tout le temps les yeux rivés sur ton écran. Eh bien, effectivement, Clément Aglietta, lui, est passé à l'acte. Bonjour. Bonjour alors, Clément. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est très jeune. Hein, vous avez 23 ans, je crois, c'est ça ? Mais à 23 ans, on ne cherche pas à se déconnecter. Au contraire, on est tout le temps le nez sur son téléphone. Mais vous êtes dit le contraire. Absolument. C'est-à-dire que... Tout va bien dans le micro, tout va bien se passer, Clément. Vous allez voir, il n'y a pas de souci. On vous pose des questions et tu réponds. D'accord. Voilà. Eh bien, en fait, ça correspond à un vrai besoin, je pense. En fait... C'est-à-dire que nous, pour arriver à ce sujet-là... Après, on va décrire le produit, mais la philosophie d'abord. Bien sûr. Ouais. Eh ben, en fait, la philosophie, c'est... On s'est rendu compte qu'on perdait de plus en plus de liens en fait, avec les gens qu'on avait de proche de nous, à force de rester rivés sur les écrans, et à force en fait, de toujours vouloir être, pas vraiment dans l'instant présent, mais de toujours vouloir partager et échanger avec des gens qui ne sont pas sur le moment. Oui, on passe plus de temps sur Instagram et sur Snapchat que dans la vie réelle. Absolument. Quoi. On prend une photo, on regarde même pas où on est. Il y a beaucoup de sketchs comme ça, où vous voyez les soirées un peu tristes, et les gens font un sourire juste
juste pour la photo. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est presque caricatural ce qu'on dit, mais c'est souvent ça. Oui, en tout cas, il y a un peu de vrai. Et donc, l'idée pour toi, c'était justement de se trouver des moments, un peu des plages de temps où tout le monde déconnecte. Voilà, en fait, le principe, il y a cette idée de trouver des plages de temps un peu, où on est vraiment focus sur l'instant présent, mais il y a une seconde envie, en fait, derrière notre projet, c'est d'éduquer les gens sur leur consommation de données. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à je veux dire, si c'est facile de savoir combien vous consommez de sucre ou si vous mangez trop, ou etc., c'est assez simple, mais sur les dotés, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, nous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que leur dire aux gens, bon, écoutez, là, vous êtes, ça fait 10 heures que vous n'êtes pas déconnecté, 10 heures que vous êtes en famille chez vous le dimanche et que tout le monde est rêvé sur son écran. Voilà, c'est peut-être le moment de prendre 20 minutes pour se poser. Et alors, ça mesure quoi, la durée ou la data ou la durée? En fait, ça mesure la quantité de données qui est consommée par le foyer. C'est-à-dire que si vous avez 5 téléphones qui sont branchés en même temps sur une borne Wi-Fi, plus les ordinateurs, on se rend bien compte que les gens sont chacun de leur côté. Et donc ne sont pas ensemble. Donc c'est vraiment ça en fait. Donc le but, c'est on n'analyse pas le contenu de la donnée, d'accord, on analyse uniquement la quantité de données qui est consommée par l'habitation. Alors là, vous nous avez expliqué donc le pourquoi, un petit peu le comment, mais très concrètement. Oui, comment ça se représente, c'est quoi, c'est un objet en fait? Voilà, oui, absolument. Alors je ne l'ai pas ramené avec moi, parce qu'en fait c'est un projet qui a été fait en 6 semaines. On le voit, très, l'image. Très court, on est. Ah bah super, voilà. On est. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a un œuf. Il y a des œufs en fait qui sont disposés partout dans la maison qui servent de relais. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Déjà c'est un routeur Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est lui qui va dispatcher la Wi-Fi dans la maison. D'accord. Ah, vous dites la Wi-Fi vous? Oui. Pourquoi? Oui, il y en a qui disent la Wi-Fi. Il y a deux écoles. Ah, la Wi-Fi. C'est pas grave. C'est au choix. D'accord. Et ensuite vous avez un indicateur de data autour et un endroit pour brancher vos téléphones. Donc en fait le principe c'est que vous allez avoir donc toute la consommation de data qui va être analysée, votre indicateur qui va passer dans le rouge au bout d'un moment. Et donc là, on va vous envoyer une notification en vous disant, bon, écoutez, ce serait peut-être bien que vous vous déconnectez. Et en fait, chaque personne... Attention, vous avez atteint le niveau maximum. Vous avez atteint un niveau, ça fait 10 heures que tout le monde est rêvé sur son écran, c'est peut-être le moment de faire une petite pause. Et en fait, donc là, vous recevez une notification et chaque personne a une couleur en fait qui lui est attribuée. Mm-hmm. Donc par exemple, le père, ça pourrait être le jaune et la maman, le bleu. Et en fait, donc le père va venir se brancher parce que c'est lui qui a envie de se déconnecter et de passer un moment en famille. Et donc c'est à ce moment-là que sur tous les œufs, les œufs vont prendre la couleur du père, donc la couleur jaune. Donc c'est-à-dire que le fils qui est dans sa chambre voit par rapport à la couleur de l'œuf qui est dans sa chambre que son père vient de se déconnecter. Absolument. C'est ça l'idée. Et en fait le principe c'est vraiment de dire. Et c'est pour lui donner envie de faire pareil. Exactement, c'est ça. On ne veut pas passer dans la punition en fait. On veut juste dire, il y a papa qui a envie de prendre 20 minutes avec toi. Mmh. Et si tu veux, tu viens aussi et tu te déconnectes. Et ensuite, si par exemple la maman vient et qu'elle se branche et qu'elle a la couleur bleue, les deux couleurs vont commencer à tourner. Vous allez avoir le jaune et le bleu qui vont tourner sur l'œuf et ainsi de suite. Et plus il y a de gens qui vont être déconnectés, plus la Wi-Fi va descendre. Ou le Wi-Fi. Jusqu'au moment où en fait, une fois que tous les téléphones sont connectés au hub. Enfin, notre petit objet, la Wi-Fi se coupe définitivement pendant une vingtaine de minutes. Donc là, il n'y a plus rien qui transite, en fait. Et là, il n'y a plus rien qui transite pendant 20 minutes. C'est, On peut aller manger. Et là, on peut aller manger, crie. On peut prendre un vous savez comment on compte les gens dans une famille, maintenant. Comment on sait combien il y a d'enfants à la maison. Si tous les enfants sont rentrés, s'ils sont dans la chambre et tout, tu coupes le Wi-Fi. Et là, tout le monde sort de sa chambre, il n'y a plus d'Internet. C'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'il y a des petits malins qui ont la 4G, donc eux, ils sont tranquilles. Oui, c'est ça qui est terrible. Mais après, je pense qu'il y a toujours moyen de contourner un peu bien, le système. Évidemment. Mais nous, notre principe, c'est vraiment d'éduquer, de faire comprendre aux gens et de les inciter, simplement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un projet que vous avez développé dans votre école, qui est la Web School Factory. Voilà, en partenariat avec Centrale Supélec, donc l'école d'ingénieurs parisienne. Et la Poste vous a détecté, c'est ça? Alors en fait, l'école, la Web School Factory organise des Weekend Challenge, donc chaque année, plusieurs fois par an, avec des entreprises partenaires. Et la Poste nous a sollicité pour un Weekend Challenge, et donc le premier prix était de venir exposer ce produit, notre projet. Juste, excusez-moi, je suis très terre-à-terre, mais j'ai pas très bien compris qu'on reçoit les notifications sur son smartphone ou ordi ou tablette, donc il faut installer une appli. Oui, on a une application, d'accord. D'accord, c'est important de le préciser, absolument. On a une application qui va vous permettre donc de choisir aussi le temps sur laquelle vous voulez vous déconnecter et qui va pouvoir aussi assigner des couleurs. Ouais. Voilà, donc il y a tout un tas et de... Et il faut remplacer son routeur, le routeur qu'on utilise aujourd'hui, par votre routeur? Absolument. C'est un peu contraignant ça quand même.
Ça pourrait peut-être s'améliorer. Ça, ah oui, bon. C'est et vous pensez donc convaincre des familles avec un truc qui vise à couper le Wi-Fi? Je pense sincèrement, et les retours qu'on a eu donc là sur CES sont plutôt positifs, et les gens sont à chaque fois. C'est marrant parce qu'en fait, ça vient vraiment de nous, donc c'est vraiment un truc qui nous, notre génération, est touché par ça. C'est quelque chose que vous voulez avoir. Veut avoir, voilà. Ouais. Et en fait, et les parents aussi. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de communication entre les parents et les adolescents ou les gens de notre âge. Et en fait, les deux veulent le faire, sauf que chacun pense que l'autre ne veut pas. De le faire, et voilà, c'est pas. Ça exactement, que c'est à l'autre de faire le premier pas. Non, et donc voilà, donc les deux nous disent, moi j'ai envie de l'avoir. Clément, on sait quand ça va sortir, c'est un projet là encore. Hein. Oui, oui. C'est peut-être un peu trop tôt pour donner une date de sortie. C'est très très tôt, oui. Voilà, c'est une étude, on va dire. C'est une étude, c'était vraiment le but aussi de faire remonter les signaux faibles. Voilà. Bon vent pour la suite déconnexion. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément Aguilleta. Merci. Voilà. Donc de la Web School Factory. François, c'était notre dernière innovation présentée dans ce 01 Live spécial CES, spécial Startup. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Hein. D'ailleurs, on vous invite à aller voir tout. Revenir sur Paris, hein, puisque ce CES est pratiquement terminé, ces derniers jours aujourd'hui. On a été ravis de passer toute cette semaine en votre compagnie. On a été ravis aussi d'être ici sur le stand de la Poste qui nous a très 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 gentiment accueillis. Et on est ravis d'avoir pu initier ce partenariat avec la Poste. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Un grand merci aussi à notre équipe technique, Florian Beaufreton et Jean-David Duarte. Qui ont été au top. Ils ont un peu trop mangé de steak, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'ils prennent des forces aussi après pour réaliser, hein, c'est normal. C'est vrai. Voilà, le CES, on n'a pas fini d'en parler, puisque vous le savez, tout ce qui est montré ici, eh bien, en fait, après, on le voit arriver petit à petit tout au long de l'année. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à Paris, et puis on se retrouve très très vite sur 01 Live TV, bien évidemment. Portez-vous bien, salut à tous.